J'aimerais vous parler de la prière du Notre Père, une prière que nous avons apprise du Seigneur lui-même. Cette prière, nous la retrouvons dans les évangiles, spécialement dans l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 6, et dans l'évangile de Saint Luc, chapitre 11. Cette prière, c'est une prière œcuménique, parce que ce ne sont pas seulement les catholiques qui l'utilisent, mais aussi les membres des autres confessions religieuses utilisent cette prière, par exemple les orthodoxes, les anglicans, les luthériens et d'autres. Hein. Et dans cette prière, nous confessons le Dieu Père. Dieu, il est notre Père. De façon à lui dire « Abba Père ». C'est un Dieu qui a la puissance. Un Dieu qui est fort. Un Dieu qui nous protège. Un Dieu qui nous donne tout. Un Dieu qui nous pardonne nos péchés. Parce qu'il nous aime. Oui, raison pour laquelle, par exemple, nous ne disons plus, ne nous soumets pas à la tentation. Parce que quand on dit ne nous soumets pas à la tentation, c'est comme si Dieu est l'auteur des tentations que nous subissons. Or, Dieu, comme est le Père, il ne peut pas nous soumettre à la tentation, il ne peut pas nous tenter. C'est le diable, c'est le mal qui nous tente. Et quand je parle de la tentation, vous savez, la tentation, c'est pas théorique, mais c'est un fait réel, c'est un fait concret. Nous sommes souvent tentés, mais nous recourons à la miséricorde de Dieu, d'où nous avons changé la formulation pour dire « Ne nous laisse pas entrer en tentation ». Ce qui veut dire protège-nous, nous sommes faibles, nous pouvons être tentés facilement, mais par ta grâce, nous ne serons pas tentés. Parce que tu es un Dieu qui nous aime, tu es un Dieu qui nous pardonne de nos péchés. Je discutais avec un diacre, pour ne pas vous donner des versions théologiques qui sont très compliquées. Et ce diacre, il nous partageait d'un auteur qui a proposé la méditation de notre Père. À l'envers, où il faut commencer à se préparer soi-même et puis repérer les péchés, les reconnaître et puis après pour pouvoir justement se purifier avant de louer, d'adorer le Père et de l'appeler à venir dans notre vie pour nous protéger. Cette prière, c'est une prière qui a une puissance. Je connais quelqu'un, c'était un physicien qui a été attaqué par les démons et il a témoigné comme quoi il a utilisé le Notre Père et il a été délivré. C'est une prière que nous utilisons au cours de la journée maintes fois, une prière où nous invoquons Dieu le Père et où nous le reconnaissons comme notre Père. Il est comme notre Papa, il fait tout pour nous. Merci, bonne soirée, que le Seigneur vous bénisse. Merci, au revoir. Non, c'est pas une...